Avec diffusia.fr, retrouvez une page d'histoire. De Coup a raison d'être inquiet. La soirée du 9 mars 1945 ne sera pas commune. Dès la nuit tombée, les Japonais installent des barrages, bloquent les rues. Le palais Norodom est encerclé. Matsumoto signifie à De Coup son arrestation. Les officiers et dignitaires de la colonie qui se sont rendus aux petites fêtes organisées par les Japonais sont décapités au sabre. Dans le meilleur des cas, ils sont faits prisonniers. À Hanoï, la citadelle résistera 3 jours. Le chef de la résistance en Indochine, le général Mordant, s'en enfuira dès le début des combats pour être interpellé quelques heures plus tard par les Japonais, terré dans une chambre en ville. En moins d'une semaine, le coup de force est achevé. 2200 hommes de l'armée d'Indochine seront tués, soit 20% de l'effectif.